fonctionne. Francophone, c'est comme ça qu'on nous nomme. Alors viens, qu'on te donne l'image de ce que nous sommes. Écoute-nous un maximum, regarde un peu ce que nous sommes. Nous sommes des jeunes francophones, nous sommes des jeunes francophones. Salut! Vous aimez les animaux sauvages? Moi aussi. Et les vacances au bord de la mer? Moi j'adore! Notre émission d'aujourd'hui est sur l'environnement global. Quels sont les problèmes majeurs de l'environnement de notre planète? Nous avons posé la question à Toulouse, à Montréal et à Dakar. Le problème majeur de l'environnement sénégal, je crois que c'est la pollution. Au Canada, il y a un gros problème de pollution des lacs et des rivières. Ce qui est inquiétant, c'est surtout le problème de la couche d'ozone, parce que ça peut vraiment devenir grave. Le problème majeur de l'environnement au Sénégal, c'est la déforestation. La pollution de l'air, la pollution de la mer, et bien sûr la disparition des forêts tropicales. Aussi, la disparition de certains animaux. Il y a aussi le réchauffement de la planète. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce sont des problèmes. Et pourquoi? On va voir. Les forêts tropicales sont en danger. Des animaux sont menacés. Nous polluons notre planète. La Terre se réchauffe. Il y a un trou dans la couche d'ozone. Une des tragédies de la vie moderne est la pollution de l'air causée par l'industrie. Qu'est-ce qui cause la pollution de l'air? La pollution de l'air est le plus souvent causée par les industries et la chimie surtout. Est-ce que ça t'inquiète? Oui, car l'air est vital pour les hommes. La pollution de l'air contribue au réchauffement de la Terre. Le réchauffement de la Terre est un des plus grands problèmes qui touche le monde entier. Qu'est-ce que c'est le réchauffement de la Terre ?
c'est le climat qui devient de plus en plus chaud. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, c'est inquiétant. Oui, à cause des glaciers qui fondent. Mais ce n'est pas seulement l'industrie qui réchauffe la Terre. Nous aussi, nous sommes responsables. Ces gaz polluants réchauffent la Terre et déclenchent des catastrophes partout dans le monde. Les orages violents et les inondations inattendues sont des conséquences du réchauffement de la Terre. Là-haut, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut ni le voir, ni le sentir. C'est un trou. Les gaz émis par les voitures et les camions sont dangereux pour l'environnement. Ils contribuent à la destruction de la couche d'ozone. On a demandé aux jeunes si le trou dans la couche d'ozone les inquiétait. Oui, ça m'inquiète. S'il n'y a pas la couche d'ozone, ça va être mauvais pour la santé, il y a des risques. C'est dangereux parce que ça peut provoquer un cancer de la peau. La couche d'ozone nous protège des rayons dangereux du soleil. Si on la détruit, on perd cette protection contre le cancer de la peau. La forêt tropicale existe depuis 100 millions d'années. Mais elle pourrait disparaître complètement en moins de 100 ans. Mais la forêt tropicale est l'habitat de 50% de toutes les plantes et de toutes les espèces animales du monde entier.
on détruit la forêt, on détruit les plantes et les animaux. Et c'est pour toujours. En brûlant les forêts tropicales, on pollue l'atmosphère. La forêt vierge devrait être défendue car beaucoup d'espèces de plantes ne sont pas connues et elles peuvent aider la médecine. Ici au Sénégal, il fait beau. Il fait même parfois trop beau. Alors, quel est le problème majeur de l'environnement ici? Le problème majeur de l'environnement au Sénégal, peut-être que c'est la désertification. Et à l'avancée du désert? La désertification aussi et l'érosion? La cause principale de ce problème, c'est le déboisement. Le déboisement est un des problèmes majeurs au niveau mondial. Est-ce que cela vous touche ici en Afrique? Oui, le déboisement nous touche et malheureusement les gens n'en sont pas conscients. En Afrique, les conséquences du déboisement sont énormes. Une des grandes conséquences du déboisement est la désertification. C'est le désert qui avance de plus en plus. La désertification du monde m'inquiète beaucoup, car si la population augmente et que les terres où on peut vivre diminuent, cela devient dangereux. La sécheresse, un manque d'eau, c'est un résultat du déboisement. C'est une des conséquences de la sécheresse, du manque d'eau. Puis c'est une conséquence du déboisement. L'eau est essentielle à la vie. Nous dépendons de l'eau. Dans nos rivières, dans nos lacs et dans la mer. Voici l'océan Atlantique qui m'arrive jusqu'à la taille. Est-ce qu'il est propre? Il y a des mers qui sont propres et d'autres ne le sont pas. Oui, la pollution de la mer m'inquiète parce que l'eau contient beaucoup d'êtres vivants et l'eau est indispensable à la vie. Bah, la mer, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de beau et puis c'est dommage de la polluer. Il arrive trop souvent des accidents en mer. Les conséquences sont catastrophiques. Protéger la mer parce qu'elle est l'habitat de beaucoup de créatures extraordinaires, comme la baleine. Elle est belle, n'est-ce pas? Mais elle est en danger.
Mais ce n'est pas seulement la baleine qui est en danger. Beaucoup d'autres animaux sauvages sont aussi menacés. Ils sont chassés pour leur peau. C'est un beau manteau, non? Mais un animal a été tué pour le faire. Qu'en pensez-vous? Oui, je porterai un manteau de fourrure sans problème. Non, parce que premièrement, je n'aime pas ça. Et deuxièmement, parce que je crois qu'il est inutile de tuer un animal simplement pour porter un manteau. Ah non, c'est affreux. Surtout parce qu'on tue des animaux pour ça. Non, jamais. Je préfère les imitations. Les animaux en Afrique sont une ressource unique. Les éléphants surtout sont très menacés. Vous aimez les éléphants? Moi aussi. Pourquoi sont-ils menacés? C'est pour l'ivoire. Les bijoux en ivoire sont très beaux. J'aime bien les éléphants et je n'aime pas les bijoux en ivoire. J'adore les éléphants, donc j'aime pas les bijoux en ivoire. Et j'en porterai jamais. Et voilà. C'est très inquiétant tout ça. Mais c'est à vous maintenant de jouer. Tout le monde peut faire du bien. Moi, je rappe pour la planète. Le monde entier est en danger, et ça les mecs, ce n'est pas ok. La terre est sèche, au ciel un trou, tout ça c'est un problème pour nous. Oh regarde, la planète est en danger. Danger, danger. Faut sauver les animaux, sinon le monde sera moins beau. Il faut donner un coup de main à tous les gens qui meurent de faim. Oh regarde, la planète est en danger.